Salut tout le monde, c'est donc Decathlon Apex pour première vidéo sur un jeu que j'ai créé. C'est une sorte de Super Mario, on va dire. Donc là on est sur le nouveau PC que je me suis acheté, mais bon, qui est vraiment pourri par rapport à l'autre, donc je suis vraiment désolé. Vous n'entendrez pas la musique, mais oui, il y a une musique, c'est le jeu que j'ai édité, que j'ai appelé donc, Heroes Adventure. Oui, donc là c'est juste la bêta V1.1. Donc normalement dans ce soir ou demain je sors la bêta version 1.2. On aura plus de possibilités. Donc là il n'y a que quelques niveaux, toujours avec quelques bugs bien sûr, c'est normal, c'est le jeu qui vient de sortir. Donc voici un bug là comme vous pouvez le voir. Mais ça c'est pas grave. Donc des fois si vous voyez les personnages bouger comme ça, c'est normal. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez. Ah voilà. Ah voilà, vous voyez? Parce qu'en fait, il faut d'abord lâcher la touche pour qu'il bouge normalement. C'est normal. Ça, c'est pas vraiment un bug, c'est fait exprès. Donc ça, par exemple, c'est un bug, mais ça, je pourrais jamais le modifier, je crois. Attendez. Voilà. Donc normalement, quand j'étais en V0.1, on pouvait pas faire beaucoup de choses. Donc là, je vous laisse voir. Hop. On avait, par exemple, ça, j'avais pas ces niveaux-là. On avait que les deux premiers. Donc, le système de vie qui est là-haut. Donc, je vous mets la flèche là. Je crois que je vais pas la bouger. Si j'y arrive. Voilà. Donc, voilà. Donc, les cœurs qui redonnent de la vie, comme vous pouvez voir avec la flèche qui vous empêche. Et voilà. En revanche, il faut aussi que je trouve un système pour retirer. Pour modifier le score, par exemple, quand on meurt, on garde pas vraiment nos scores, mais ce que je veux dire, quand on change de salle, on garde le score qu'on avait avant. Donc, si on meurt vraiment, vraiment, on perd tous nos scores, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Hop, voilà. 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 Hop. Voilà, il y avait encore le bruit. Hop, aussi j'ai réglé le problème de ce que vous pouvez voir là, le coffre. Avant le coffre, il vous donnait quelques points et tout. Donc ça c'est le boss. Faut que j'arrive à régler aussi son problème à lui. C'est-à-dire que ce boss là, vous pouvez le frapper. Donc là il y a sa barre de vie. Là. Donc là elle baisse à un moment ou à un autre. Hein. Faut pas avoir peur avec ça. Donc normalement le bouton pour s'en aller, normalement on devrait pas le voir. Mais il y est. Donc c'est un petit problème aussi. Et normalement il doit mourir mais il veut pas mourir. Donc il va falloir que je voie qu'est-ce que c'est le problème. Voilà, attendez. Hop. Ah merde. Maintenant vous voyez c'est super galère. Donc on a fini à ce niveau. Et celui-là c'est un des niveaux que j'ai le plus aimé que j'ai créé en fait. C'est un niveau on va dire un peu comme un Super Mario. On galère un petit peu. Bon, bien sûr que la fin il n'y a plus beaucoup d'ennemis quoi. Hop. Ah bah voilà, je suis mort. Et en fait, à chaque fois qu'on saute d'une case à une autre case, on perd, oui, de la vie. Donc voilà. On perd de la vie. Enfin, il y a le truc qui se retire en fait. Et la vie, on la perd. Par exemple, les squelettes nous font perdre. Ah putain, c'est galère. Les squelettes nous font perdre une vie, on va dire. Et les fantômes, eux, ils nous font perdre deux vies en fait. Donc c'est beaucoup plus dur. Ok. Attendez. Ah bah putain, ah, désolé pour l'insulte. Ah zut. Donc l'eau, c'est comme si on la voyait pas. Hein. J'ai juste posé de l'eau en dessous pour que ça fasse plus beau. Genre qu'on tombe pas dans rien du tout. Attends. Ah, galère. Faudrait aussi que je règle un problème. Normalement, ce que je voulais faire, c'était. Parce que le boss devrait être normalement beaucoup plus dur. Ce que je voulais, ce serait que à chaque fois qu'on ramasse 50 pièces, on a un cœur en fait, en plus qui apparaît. Et les cœurs, on puisse les garder dans chaque niveau. Ça, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien, mais c'est juste totalement galère. Hop, hop, ça y est, je crois que c'est bon, on a fini. Ouais. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'ennemis parce qu'ils nous ont tous foncé dessus. Hop, normalement. Hop. Hop, hop, ça y est, on est arrivé. Et ça, c'est le dernier niveau que j'ai fait hier. Donc, un niveau que j'ai bien aimé en fait, parce que pour ceux qui aiment comme moi
comment ça s'appelle déjà? Pour, on va dire, les jeux de saut, on va dire. Bah, j'ai aussi rajouté ça un peu, il y aura des petits niveaux comme ça. Et en fait, le bug qui est là, normalement, attendez, je vais essayer de vous remontrer. Ah putain, trop dur. Voilà, KO. Ah voilà. Merde. Ah voilà, celui-là. Celui-là, je vais le garder parce que ça donne quand même un air de oui, je m'accroche à la pierre pour monter, on va dire. Et ça reste plutôt bien. Parce que si on se fait des frayeurs en tombant quelque part, c'est plutôt sympathique, quoi. Si vous me suivez bien. Hop. Ah, zut. Ah, galère. Je crois que je veux aussi rajouter un sprite pour que... Ah zut, non, reviens. Oh, oh là là, faut tout recommencer. Un sprite pour que quand il saute, on voit bien qu'il saute. Là par exemple, quand il saute, on voit... Bah on voit qu'il saute, mais bizarrement quoi, en fait, vous voyez ce que, si vous me comprenez. J'ai dit je vais essayer, hein, c'est pas sûr. Puis après, c'est pas grave, hein. Ça change quoi au jeu? Ça change rien du tout. Ne surtout pas aller dans les côtés, parce que si vous allez dans les côtés, bah, vous quittez l'espace du jeu. Ah. Ouais, là je crois, si je me souviens bien, je n'y arriverai pas, donc... Ah, faut tout recommencer. Bon, allez, vas-y. Je me dépêche. Bien sûr, je le mettrai en téléchargement. Hein. Le jeu est gratuit. Ok. Dès que je sors la nouvelle version, je vous refais une autre vidéo sur la nouvelle version. Ah bah, la musique, c'est fini. Donc, Ah zut, j'étais presque. J'étais presque, mais c'est pas, oh là là, pas le truc le plus facile. Bon, ça, je suis pas tombé tout en bas. La vidéo, faut pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Surtout que là, je filme pas avec Camtasia, je filme avec, avec un autre logiciel. Hein. Je dirais pas le nom. J'espère que ça a marché, d'ailleurs. Si ça marche pas, bah, va falloir que je recommence la vidéo avec un autre logiciel. Si je peux avec Camtasia, ce serait bien, mais sinon je dois utiliser Fraps. Alors. Ah non, presque. Attention. Attendez, je vais. Ok. Non, tombe pas. Ah, c'est galère. Ce niveau-là, il est chaud quand même. Mais je crois que c'est parce qu'on ne peut pas vraiment réussir ce niveau. Donc, si on peut pas, bah, la version 1.2, je vais régler ce problème. Parce que, comme vous pouvez voir, ça fait quand même plusieurs fois que je tombe. Normalement, moi, ce genre de jeu-là, je suis super bon. Mais bon, ça veut pas, hein. Je peux quoi, je suis pas à la tête des gens. Dans la tête des gens, pardon, parce que là, je dis n'importe quoi. Attendez, ok. Alors, attendez, là, je crois que je peux, si j'y arrive... Ah, trop dur. Attendez. Ah, trop galère. Ça me fait limite penser à... Comment ça s'appelle déjà? La meuf là qui. Ah, presque! Tomb Raider. Bah, ça fait un peu penser à ça par exemple, des petits sauts et tout. J'ai juste mis la musique de Super Mario parce que je vous avoue que je suis un petit peu nostalgique, j'aime bien cette musique là, elle est vraiment, vraiment bien. Surtout dans un jeu comme ça, voilà, que ça nous fait plutôt nous amuser par rapport à plein d'autres jeux. Sauf que c'est pas non plus des graphismes. Ok, d'accord, je dis n'importe quoi. Des graphismes à la Call of ou bien d'autres choses, mais bon, c'est normal. D'ailleurs, je suis aussi en train de travailler sur un jeu de. Bah, un FPS. Donc, le FPS, voilà, il commence, hein. J'ai créé le niveau et tout. Donc, en revanche, il va falloir m'expliquer parce que. Enfin, les ennemis, voilà, mais j'en rajouterai, mais bon. Les zombies et tout, ils ressemblent à rien. C'est vraiment pourri, quoi, c'est les ennemis. C'est pour ça que je suis avec un pote et lui il va s'occuper des graphismes, moi je m'occupe du jeu. Bon, allez, dernier test, si j'y arrive pas, j'arrête et je recommence et je vous expliquerai la suite. Bon, j'arrête, ça me saoule. Shift pour quitter, hein, il y a même écrit ici. Quitter en plein écran, en plein jeu, touche égale shift. Donc là vous pouvez sauter, hein, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein, ça sert absolument rien, vous avez ça qui était là, vous pouvez le prendre. Ça vous sert à rien. Donc, score. Save. Attendez, maintenant si on recommence, normalement. Shift. Score. Attendez, save. Ah, zut.
Enfin, ça a marché, mais il veut toujours pas. S'il veut pas, ça veut dire que j'ai toujours ce bug. Parce que normalement, je crois, si je peux vous montrer, j'avais une autre version. Shift, save, score. Ah, toujours pas. Oula, le son du jeu, il a bugué. Donc maintenant, ça vous fait rien, vous. Hein, mais... Donc, je vous dis à plus. Et... Bah, non, vous savez quoi, je vous fais une petite ellipse et je vous reviens tout de suite. Eh bien, re tout le monde, c'est donc DKXLPX pour la suite. Donc là, je vous remontre le jeu, mais en version 1.0. Donc, je crois que normalement, il doit y avoir beaucoup moins de level. Sinon, bah, ça veut dire que je me suis trompé et que c'est la version, toujours la même version, quoi. Normalement, je me suis pas trompé, hein, c'est juste que le nom n'est pas le même. Donc, si le nom n'est pas le même et que c'est une autre version, ça veut dire que j'ai dû enregistrer la nouvelle version dessus, en fait, ça se trouve. Donc, on va voir ça tout de suite. Normalement, si on finit bien le jeu, il devrait y avoir un message d'erreur que le jeu ne... Il n'y avait pas de suite, donc du coup c'est normal. Ce level-là, je me suis éclaté à le faire au début, mais c'est vite fait quoi. Ah, donc. Je sais pas si on avait fait ce level tout à l'heure. Hop. Attendez, on va vite fait savoir si le bug a été réglé dans cette version-là. Ah, donc non, je crois que ouais. C'est donc. Ouais, c'est le même, c'est juste que. Attendez, normalement s'il perd de la vie, ça veut dire que c'est pas le bon. S'il perd pas de la vie, ça veut dire que c'est pas le bon. Bon, bah, j'ai pas pu voir. Donc, ouais, je me suis trompé. C'est bien la même version, en fait. C'est juste la même version, mais enregistrée sous pas le même nom, en fait. Bon, bah, voilà. Donc, ouais. Attendez, je reviens parce qu'il y a un tour le bug, là, ça m'énerve. Encore re tout le monde, donc maintenant je vais juste vous montrer, donc normalement il manque un ES, attendez, Hiro, ouais je vais rejeter, ouais à la fin il manque un ES, et donc en fait, bon c'est pas grave, hein, c'est la même version, c'est juste que le nom n'est pas le même, et puis, donc dans la version que je viens de créer, il y a donc l'ajout du pas de la même image, on va dire, d'un côté. Et quand on double-clique dessus, il y a ça. Donc, c'est normal, hein. C'est juste une barre de chargement que j'ai rajoutée en plus. Et hop, vous pouvez commencer à jouer. Et là, j'ai le son dans les oreilles qui vient de me casser les oreilles, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour que vous sachiez ça. Donc, bah, à plus tout le monde. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et je vais sûrement vous continuer un let's play parce que j'ai pas continué sur l'autre chaîne. Sur l'autre jeu que j'ai là-bas, mais voilà quoi.